Ah bonjour à tous, heureux de vous retrouver. C'est le samedi 8 août 2020, 6h02 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Pendant ce temps-là, on a une hausse des températures qui risque de faire augmenter les tempêtes en Europe occidentale. Ça m'a été partagé par un abonné qu'on salue dans un récent rapport sur la probable évolution du climat dans les 5 prochaines années. L'ONU nous alerte une nouvelle fois sur la hausse des températures mondiales, 1 degré de plus entre 2020 et 2024 par rapport au début du siècle dernier, ce qui pourrait avoir notamment comme conséquence une augmentation des tempêtes en Europe occidentale. Il ne faut pas oublier que l'augmentation des températures, la diminution des températures est vue sur des cycles de plusieurs centaines et milliers d'années dans l'histoire et c'est cyclique. Et nonobstant le fait qu'il y ait une augmentation du CO2 qui n'a rien à voir avec l'augmentation des températures, pour que ça soit bien clair, la hausse des températures peut être une réalité parce que ce sont des cycles. Et que naturellement, quand tu as des changements de température, il y a des changements de climat et des déplacements des courants jets dans la haute atmosphère qui amènent dans des coins de la planète des tempêtes, des fois auxquelles on n'était pas habitué. Et d'autres phénomènes auxquels on n'est pas habitué. Ça, c'est les cycles, hein. Une hausse des températures estimée entre 0,9 et 1,5 degrés pendant les 5 prochaines années. Les 5 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Ça, c'est complètement. Depuis qu'on enregistre les températures, mais il y a 10 000 ans, il faisait 10 degrés de plus. Donc, il y a 20 000 ans, dépendamment du temps où tu t'en vas, il faisait 10 degrés de moins et ça se promène comme ça, tu comprends? Donc, il semblerait que la hausse des températures dans le monde, comme on a un narratif à vendre, ben c'est sûr qu'on essaye de convaincre les gens avec ça, en oubliant de dire que tout est cyclique. Il semblerait que la hausse des températures dans le monde risque de se poursuivre. La température mondiale annuelle devrait être au moins 1 degré plus chaude que les niveaux pré-industriels définis comme la moyenne de 1850 à 1900 au cours de chacune des 5 prochaines années et devrait très probablement se situer entre 9 dixièmes de degré à 1 degré et demi. Voici la prédiction de l'Organisation météorologique mondiale. Donc, ce qu'on raconte, c'est pas faux, mais on oublie de donner tous les autres détails, comprenez-vous? Il est peu probable, il y a environ 20% des chances que l'une des prochaines 5 années soit au moins 1,5 plus chaude que les niveaux pré-industriels. Mais la probabilité augmente avec le temps, peut-on lire. Par ailleurs, dans le rapport, rappelons que l'objectif fixé par les accords de Paris de 2015 est de limiter la hausse des températures à 2 degrés, voire 1,5 par rapport à l'ère pré-industrielle. Un risque d'augmentation des tempêtes en Europe occidentale avec autre information intéressante révélée par ce rapport entre 2020 et 2024. Les anomalies de pression au niveau de la mer suggèrent que le nord de l'Atlantique nord pourrait avoir des vents d'ouest plus forts, entraînant plus de tempêtes en Europe occidentale. Ces prédictions seront cependant à affiner puisque l'OMM précise que les compétences sont modérées et importantes dans ces régions, ce qui donne une confiance moyenne aux prévisions. Si la période du confinement a contribué à une baisse des émissions de CO2, le secrétaire général de l'OMM, Petteri Thalas, a tenu à préciser qu'il n'aurait pas d'impact sur les températures. Le ralentissement industriel et économique provoqué par la pandémie peut se substituer à une action durable, ne peut se substituer, pardon, à une action durable coordonnée en faveur du climat, ont rapporté nos confrères du Figaro. Si nous ne luttons pas contre le changement climatique, c'est parce que tu ne peux pas lutter contre le changement climatique. Tu peux lutter contre l'augmentation de la pollution, de la catastrophe environnementale, de la détérioration de l'environnement par toutes les activités industrielles humaines, qui fait que une poignée s'enrichit en exploitant la terre, mais tu ne peux pas lutter contre les changements climatiques. Les changements climatiques sont cycliques, c'est pas mal plus gros que nous, mais on peut lutter sur la qualité de l'air. La qualité de l'eau, la qualité de la terre, des trucs comme ça, oui. Mais c'est tellement, tellement du n'importe quoi quand on prétend qu'on serait capable de lutter contre les changements climatiques. Vraiment, c'est de prendre les gens pour des... Trois petits points. Je vous reviens.